Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le deuxième concours de Noël, qui est donc un concours spécial pour les ongles en acrylique. Et voilà, j'ai eu un message. Ah, attendez, c'est mon mari. Donc je ne sais plus du tout où j'en étais avant que mon cher mari m'interrompe. Donc je vous disais, on va recommencer depuis le début, ça sera plus simple. C'est le concours numéro 2 de Noël, donc c'est le concours spécial pour les ongles en acrylique. Donc j'ai essayé de vous mettre tout ce qu'il fallait pour faire des ongles en acrylique. Voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures. J'ai essayé de vous mettre tout ce qu'il fallait pour faire des ongles. Je bug. Vous avez bien sûr les conditions sont les mêmes que le concours maquillage et soins. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remets ici dans le petit i. Il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo et de remplir le formulaire Google Form que je vous mets en barre d'infos également. Et si vous voulez mettre en description tout plein d'icônes de Noël, Papa Noël, Sapin Noël, étoile, enfin je sais pas, ce qui représente Rudolf, si vous avez Rudolf dans vos émoticônes, voilà. Et ça sera tout, et surtout ne mettez pas des je participe en commentaire, sinon les commentaires seront supprimés et je me demande même s'il n'y a pas le risque de suppression de vidéo. Donc évitez de mettre des je participe. Voilà, la participation principale se fait sur dans le formulaire que je vous ai mis en barre d'infos et vous pouvez également participer sur Facebook et sur Instagram en remplissant les conditions qui seront à chaque fois liées au réseau social que vous allez participer. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous mettre un maximum de choses pour que vous ayez vraiment la totalité de ce qu'il vous faut pour faire les ongles. Tout simple. Donc pour commencer, je vous ai déjà mis de lime à ongles, voilà, dont une banane, c'est un 100-180 et l'autre c'est une, je ne sais plus, voilà, l'autre c'est un peu de la gnognotte, mais ça peut toujours être utile. Je vous mets un petit bloc buffer comme ceci, parce que ça aussi, quand on fait les ongles, c'est très utile. Je vous mets également un paquet de chatelons, donc il me semble qu'il y en a 20 dedans, je ne suis plus sûre, mais vu l'épaisseur, ça doit être 20. Je vais également vous mettre des capsules. Donc là, j'ai commencé à les préparer. C'est celle que moi, j'utilise. Je vous ferai un mix de 5 capsules de chaque taille en naturel et en transparente. Comme ça, si vous préférez mettre des capsules, vous les aurez aussi. Donc, bien sûr, pour ce faire, vous aurez besoin de la colle. Donc, c'est des produits NDED principalement, puisque je les avais commandés en même temps que ma commande pour le concours que je prévoyais. Donc maintenant, les produits sont très bien, hein, franchement, il n'y a pas de souci, mais si vous tombez à court et que vous devez recommander, passez sur Ongle 24, puisque NDED est fermé. Je ne sais pas s'il a rouvert depuis, mais de toute façon, avec tout le bordel qu'il y a eu avec ce site, évitez de passer par là. Donc voilà, vous aurez la colle NDED, mais c'est parce que je l'avais déjà commandé avant. Je vous mets également un déshydratant et une base, donc toujours de chez NDED, hein, voilà. Donc ici c'est le Ultra Bond Primer et ici c'est le déshydratant tout simplement. C'est des produits que vous aurez besoin également pour faire vos ongles. Une huile à cuticule à la coco, j'adore cette huile à cuticule, elle sent divinement bon et elle est super facile et elle hydrate super bien. Donc voilà. Bien sûr pour ce faire il vous faut du monomère, donc c'est le monomère pour débutants. C'est ça que je vais le plus regretter chez N2ED, c'est un qui durcit moins vite que les autres, donc c'était bien pratique, c'est un format 100 ml, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est marqué où ? Ouais, 100 ml, voilà, si vous ne connaissez pas le monomère, ça pue la mort, mais il le faut, et je vous mets une poudre transparente de chez Ongle 24, puisque c'est celle que moi j'utilise et que je l'aime beaucoup, 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 voilà. Mais ce n'est pas fini. Je vous mets aussi également un petit pot comme ça pour mettre votre monomère, vos poudres, pour faire vos mélanges, ce que vous voulez. La guillotine pour les capsules, puisque ça aussi c'est très important. Je vous mets un repousse cuticule en métal, un petit coup de cuticule, donc ça c'est un peu gadget, hein, mais vous en ferez ce que vous voulez. Alors je vous mets 2 pinceaux pour l'acrylique. Donc c'est 2 tailles différentes, vous avez la taille 6 et la taille 10, comme ça vous pourrez tester ce que vous préférez. Et commander un meilleur parce que ce n'est pas de la très grande qualité, je vous le dis tout de suite. Mais au moins vous aurez 2 tailles pour tester si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas déjà de pinceau. Donc voilà, comme ça au moins vous testerez. Je vous mets un pinceau pour le gel en taille numéro 4 qui est comme ceci. Donc ceux-là ils sont très bien,
pas de la super qualité, mais c'est pas de la gnognotte non plus. Puisque je vous ai mis deux gels de couleur de chez Venaliza. Donc moi je les ai pas testés, je les avais commandés parce que je recevais pas mon lot que j'avais commandé. Et du coup je les ai jamais utilisés, donc je vous les mets. Vous avez un rouge et un jaune. Donc je viens de voir que j'ai oublié de mettre un top coat. J'en ai plus un. Si, bah, heureusement il m'en reste un. Donc je vous mets le top coat de chez Elite 99, c'est le No Wipe Top Coat. Donc il est très bien, sauf qu'il vieillit pas très bien. Voilà. Mais sinon il est très bien. Moi je l'ai acheté sur AliExpress, sur la boutique officielle Elite 99. Et j'en étais très contente. Maintenant j'ai le modèle Watts qui est un peu mieux. Et mon préféré c'est Peggy Sage. Mais là c'est pareil, je peux pas mettre 25 balles, je crois qu'il est le top coat. Donc je peux pas les mettre. Bien sûr, pour faire sécher tout ça, il vous faut une lampe UV. Donc c'est celle que j'avais eue dans le kit de chez Modelons, justement, de polygel. Mais comme moi j'en avais déjà une, j'ai voulu vous la garder pour ce concours, parce qu'au moins comme ça, c'est super complet. Je vous mets aussi, toujours de chez Model Ones, des petits removals comme ça. Donc c'est, vous ouvrez, vous mettez votre doigt dedans et ça enlève le vernis, voire slash l'acrylique, je sais pas. Je n'ai pas testé, moi je suis toujours avec des bains d'acétone pour enlever. Je vous mets également des accessoires tout plein, tout plein, tout plein. Donc tout d'abord, 5 booting tools, voilà. Je vous mets des stripping tape. Donc ici vous avez des effets sirène. Je vous ai mis les trois tailles qui existent. Donc vous avez une fine, une moyenne et une plus épaisse. Et ici vous en avez plusieurs autres de couleurs différentes. Qui sont plus classiques. Je vous mets également une pochette avec plein de strass comme ça. Voilà. Donc c'est tous des strass que j'ai acheté chez Action. Il y a différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs. Et c'est juste génial quand on aime faire mettre des strass sur ses ongles. Je vous mets également plein de stickers et water décalque. Voilà, voilà. Vous avez ici un petit tube de paillettes doré. Alors, je ne sais pas, il y a 6 grammes dedans. Voilà. Je vous mets de chez Band Pretty une poudre holographique. Voilà, les poudres licorne que moi j'adore. Donc, je ne vous vois pas parce qu'il est totalement fermé. Je ne sais plus, c'est une teinte dans les teintes grises. Et vous avez le petit embout de mousse également ici pour l'appliquer sur l'ongle. Voilà, voilà. Un petit sachet de toutes petites pointes en strass. Donc là, vous ne verrez absolument rien. Mais c'est des petites pointes si vous voulez faire des jolis décos. Et ici dedans, je vous ai mis à chaque fois, donc il faut que j'en rajoute parce que j'en ai reçu d'autres, que j'ai commandé des petits bijoux d'ongles comme ça, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez les petites couronnes que j'ai achetées, enfin tous les petits strass que j'ai achetés, les double infinity, voilà. C'est des bijoux d'ongles, hein, ce n'est pas des strass. Je vous en ai mis à chaque fois deux de chaque pour vous. Donc je vous les mets dans cette petite boîte là et je vais la compléter avec les derniers que j'ai reçus que j'ai pas encore eu le temps de mettre dedans. Voilà, donc c'est ce qui conclut ce lot. J'espère qu'il vous plaira. Il est vraiment fait pour si vous n'avez encore jamais testé et que vous voulez essayer. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire. Après, si vous connaissez déjà et que vous avez déjà les produits, ça vous fera du stock et c'est pas plus mal non plus. Donc n'oubliez pas de bien remplir toutes les conditions, toutes les infos sont en barre d'infos. Logique, c'est la barre d'infos. Et nous, on se retrouve dans 2 jours pour la suite du calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.